Plusieurs personnalités étaient présentes à l'événement, dont en particulier Lorena Cabrera, ministre de la Mode et de l'Art de Vivre de l'Agence française pour le commerce et l'investissement, Clarisse Rey, directrice générale de Défi, Huang Wei, présidente du comité stratégique international de la mode de Futian 7. Peu avant le début de la soirée, deux importants organismes en matière de mode ont signé un mémorandum. D'une part, le International Fashion Strategy Committee, d'autre part, le Global Business District Innovation Club. Dans son discours de bienvenue, Lorena Cabrera a déclaré « Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir, d'autant que ce défilé de mode collectif s'inscrit dans le cadre du 60e anniversaire des relations franco-chinoises et de l'année sino-française du tourisme culturel. » Pour sa part, Huang Wei a déclaré « Aujourd'hui, mon rêve de présenter la mode vestimentaire du district de Futian de la ville de Shenzhen s'est enfin réalisé. Vous pouvez alors assister au défilé collectif de nos trois marques, leaders dans leur domaine. Nous avons带来的三个品牌都在深圳啊，是非常著名的品牌。那么第一个品牌呢，中文叫做歌丽丝，这个品牌呢，它主要是以这个行政这种装啊为主，就是给职业女性啊所设计的服装，也是在我们深圳啊，乃至中国啊都是非常受欢迎的。 因为这个品牌呢，它不仅自己创业了品牌，而且呢，它作为一个这个上市的这个服装的这个时尚公司啊，它也收购了很多国际的品牌。那么这些品牌呢，它就融入了很多这个国际流行的这种元素啊，在这里呢，像我们今天我们看到的这些产品啊，展示的这些服装作品呢，都能体现它的这种风格。那个。 第二个品牌呢，应该叫婴儿，它是我们这个婴儿集团的这个旗下的一个品牌。那么这个品牌呢，比起这个我们前面讲的歌丽丝呢，它更加年轻，而且它的这种整个的设计的风格呢比较活泼，啊，在这些方面呢，可能呢，与前面这个品牌呢有一些不同。 它也是在深圳是一个我们讲的一个龙头的一个品牌。那我们一直都是致力于用优雅的，塑造女性自信的日常通勤装的一个品牌。那希望我们品牌能为女性提供在日常生活中能穿出一个非常自在、不受拘束的一个日常通勤着装。所以说我们在我们的时装上面的设计上来说。 通常都是非常考究它的舒适性跟可穿着性。最后一个品牌呢，它呢相对来讲呢是比较休闲一些、宽松一些，没有那么紧。但它在服装的装饰上，在服装的这种整个的表现手法上呢，更加的这个让我们感觉到轻松。 Reportage par Mantara TV.